Charles III et Camilla, découvrez ces destinations estivales qu'il affectionne. La reine Elisabeth II avait l'habitude de prendre ses quartiers d'accent aigu à Balmoral, en Écosse. Mais désormais, où Charles III et la reine Camilla vont-ils aller? Country Townhouse a dressé la liste des endroits que le couple royal apprécie particulièrement. Pour les fans de la famille royale, c'était devenu une habitude. Depuis de nombreuses années, l'été de la reine Elisabeth se passait à Balmoral, en Écosse. Pour son premier été en tant que roi, où Charles III va-t-il décider d'aller avec Camilla? Country Townhouse a listé les lieux appréciés par le couple. Corfou, en Grèce, est notamment cité, car le roi et la reine s'y sont déjà rendus à plusieurs reprises l'été. Pour le monarque passionné par l'environnement, c'est l'occasion de retrouver 4000 oliviers et environ 6000 espèces des herbes et de fleurs, parmi lesquelles 55 espèces des orchidées sauvages. Quand Charles et Camilla se rendent à Corfou, ils séjournent souvent dans la villa Rothschild à Kerasia, un grand complexe architectural surnommé le Palais des accent aigus de Kensington, offrant à voir une végétation luxuriante, de vieux pins et des cascades. Plus inattendu, Charles III adorerait aussi aller en Roumanie, plus précisément en Transylvanie. Il s'y rendait régulièrement depuis 1990, mais ce n'est qu'en 2006 qu'il y aurait acheté un domaine, dans la région de Valea Zalăunului. Presque 10 années plus tard, il a fondé la Prince of Wales Foundation Romania pour aider à la préservation du patrimoine de la région, travailler avec les communautés locales et s'engager avec les agriculteurs et les producteurs d'aliments artisanaux pour développer leurs entreprises, rappelle Country Townhouse. Traditionnel passage à Balmoral. Malgré cette appétence de Charles III pour la Grèce et la Roumanie, il se pourrait bien qu'il respecte finalement la tradition et retourne à Balmoral, en Écosse, fin août, d'après un article de The Express publié ce samedi 1er juillet. Une première sans sa mère qu'il pourrait vivre comme une période très difficile. Selon l'expert en langage corporel, Darren Stanton, le roi sera le membre de la famille royale le plus touché. Un lieu qu'on appelait la Happy Place devenu paradoxalement triste. Qu'il choisisse de montrer ses émotions en public ou non, je pense que ça va être un moment très difficile, a prédit le spécialiste. Pour éviter que ce moment douloureux ne dure trop longtemps, il se pourrait que le roi reprenne rapidement ses engagements, contrairement à ce que faisait sa mère qui pouvait rester à Balmoral jusqu'en octobre.